Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode du Let's Play de Endling Extinction is Forever. Alors, dans l'épisode précédent, on avait continué de rechercher notre petit renard et à la fin, je me suis fait tuer par le monsieur à la hache. Du coup, je pense qu'on est revenu au point de contrôle avant d'avoir trouvé les secrets. Donc on va les speedrun, je pense, parce que je me souviens où c'était, afin de revenir là où on en était arrivé. On va faire ça rapidement, maintenant je sais ce que c'est et ce que ça raconte. Donc en gros, la petite fille a été forcée par son père d'aller vendre le renard pour gagner de l'argent. Entre des troqueurs, je pense, ou des gens qui veulent faire de la fourrure. Bon, avec le petit renard, ils vont pas faire grand chose en fourrure, mais bon. Donc je crois que c'était par là. C'était pas par là. Mince. Là, on devait passer en dessous. Il y a beaucoup de menaces tout de même. D'ailleurs, il n'y a plus un arbre. C'est vraiment... Désertland. Une grosse ville derrière. Je viens de voir. On a l'appel passage. Bon, ce qui est bien, c'est que niveau bouffe, depuis qu'il y a un petit qui est mort, on n'est pas trop emmerdé. C'était peut-être le bon plan d'en tuer, hein. Voilà, la coupelle. Donc ensuite on devait tracer. Les photos on les avait déjà vues. Ça c'est le terrier du blaireau. Là il y avait un piège, je me suis fait avoir, c'est grâce à lui que j'ai été tué. Pourquoi pas faire la même erreur deux fois. Deuxième indice. Et le troisième était tout au bout de la route. Donc on va devoir retourner à l'usine. Ce qui serait bien, vu qu'on a gagné du temps sur la nuit, c'est de passer directement... C'est bon, j'y suis là. C'est de passer directement par le terrier du blaireau de ici vers là-bas pour aller à l'usine ensuite. Comme ça on dort du côté de la forêt, là on n'est pas trop emmerdé. Parce que le monsieur avec la hache, là c'est pas qu'il nous embête mais... C'est compliqué de jouer avec lui. Allez, on va aller manger ça. S'il veut bien se laisser attraper. Il nous a pas vu. Voilà. Le steak pour les petits. Et c'est parti. Donc nous sommes ici. Ce qui serait intéressant, c'est de passer vers le blaireau. Alors je sais pas s'il va nous faire chier de l'autre côté ou si c'est vraiment juste des TP. D'ailleurs, ils ont mangé à la sortie du. Cool. C'est la fête hein. C'est la fête. Impeccable. Bon, du coup il faut que j'aille sur la gauche, que je remonte vers notre terrier. Ouais, on va dire le camp de base. Hein. Ça, non. Je me suis pas trompé. Je me suis trompé. Je peux descendre. Et ensuite sur la gauche. Ouais, on peut passer par là, allez. Compliqué de s'y retrouver quand même. Par là. D'ailleurs, on a un petit chien maintenant qui sait grimper aux arbres. Pour aller chercher les œufs, ça va être bien utile. Un petit chien, un petit renard, pardon. Vous direz des chiens quand même. Où qu'ils sont ? Ils sont là, ils étaient à la boire. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il n'y a pas le cadavre du petit renard qu'on a perdu. C'est moins déprimant. On a un malus de bouffe hein, sur la fin de la journée. Enfin, la fin de la nuit.
Donc plus on rentre tôt et moins on a de malus. D'ailleurs, j'ai entendu qu'ils étaient en train de couper des arbres. Décidément, Ah oui. Ah, ça devient vraiment triste, hein. Donc il y a des points d'interrogation encore. Je vais devoir retourner là-bas de l'autre côté? Ah ouais, il y a un passage qui se débloque. Bon. Comme on n'a pas d'odeur, on va aller voir les points d'interrogation. On va repasser vers le blaireau. On a fait tout ça pour rien. Le passage du blaireau, c'est tout droit. Tout droit, tout droit. Ah, ils ont arraché des arbres ici aussi, hein. Ça devient vraiment triste. C'est là qu'on tourne. Ouais, c'est là qu'on tourne. On va ramasser des baies tant qu'il y en a encore, parce que bon... Ils sont en train de tout déglinguer, il n'y a plus grand chose. Le terrier du blaireau est ici. Passage rapide. Oh, la petite fille chante. Et il y a le méchant qui est juste là. Non ? Pourquoi il y a un point d'exclamation rouge ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce donc que cela ? Où il est notre petit ? Il s'est fait choper ou... Il y en a qu'un là qui me suit. C'est ce bordel. Où qu'il est ? Alerte ! Il s'était perdu ? Bah alors ? Oh la vache. Tempête de bouse. On est où sur la carte? On revient au point de départ du blaireau. Oh, il a pas réussi à passer? Oh là là! Oh le galérien! Bon, on va aller au point d'interrogation jaune, c'est pas grave. Oh là là. Ah, regardez-moi ça, toute cette merde. Ça donne pas envie de s'industrialiser. Hein. Pas de cette façon-là. Bon, on en a besoin quand même. Hop. Sur la droite. Ouais, on peut passer en dessous. Bonjour madame. Bon, il y a des gentils quand même dans ce monde de cons. Très bien. Alors je ne sais pas où on en est de la nuit. Alors lui, lui, il s'est fait raser ses arbres. Hein. On va peut-être pas faire jouer avec lui tout de suite. On va aller se reposer et ensuite on va explorer la droite. Et puis il y a l'autre fou furieux en dessous. Il va nous tomber dessus avant qu'on arrive à atteindre la tanière. Non, ça va. Ça va, mais il est pas loin. Il va nous faire chier pour aller de l'autre côté, là où on veut aller. Ah la bouffe, ça tombe vite hein, quand on arrive à la fin de la nuit. Alors peut-être qu'en perdant un petit renard, on perd aussi une compétence du coup. Vu que le troisième aurait pu apprendre quelque chose, mais vu qu'il est décédé, ne pourra pas l'apprendre. Et il y a des poules. Oh la vache, j'ai l'impression que plus je sors et plus c'est dézingué.
On va partir sur la gauche et redescendre sur le point d'interrogation. Avec de la chance, on n'aura pas le tout furieux. Ah, ils ont détruit la maison, la petite cabane de la fille. Je sais pas si vous avez vu. Hop. Ouais, mais je peux pas passer en fait. Il faut vraiment que je passe devant le pacificateur. Ok. On va essayer de se prendre une balle. Alors, est-ce qu'il faut que je la tire comme ça? Bon. Ah, il faut que j'avance doucement. Ok. Allez, regarde ailleurs. S'il te plaît, monsieur. Il va faire un demi-tour vers nous. Et après, il se retourne sur la gauche. Hein. Et on y va dès qu'il se tourne. Voilà. Voilà, c'est facile. Facile! Donc là, on peut encore passer un coup et ensuite on descend. Donc là, il va revenir vers nous. Dès qu'il va sur la gauche, on y va. Allez. Comme ça, on peut descendre. Je sais pas s'il peut nous voir là. J'espère que non. Et on continue par là. Hop. Impeccable. Ok. Il m'avait regardé bizarre, ça m'avait stressé. Oh là. Ça, c'est pour marquer le tonneau, c'est ça? Ok. Je sais pas si je vais par là. Est-ce que je peux débloquer l'accès vers la base? Ce qui serait bien parce qu'on va vite arriver vers la fin de la nuit. Non, c'est bloqué. Je suis de ce côté-là, donc je peux aller au sud en fait. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Hein. J'ai zappé un truc peut-être. Ce serait bien de trouver un terrier aussi de ce côté-là pour pouvoir dormir. Ils peuvent pas suivre. Mince. Ah oh, puis la bouffe, ça commence à redevenir ric-rac là. Hein. Ça peut se ramasser ça? Ah ouais, il y a une pomme. Et il y a un œuf là, c'est un petit qui peut aller le chercher. Il faudrait que je le chope. On va déjà leur donner la pomme. Là on peut pas aller plus loin de toute façon. Je pense que c'est juste de la bouffe à récupérer. Oh, faut manger, hein. Je vous pose un truc, les refs. Vous abusez, là. Il a pas faim, l'autre. Ok. Non, tu veux pas? Tu peux pas? Bon. Donc tout ça on l'a exploré, donc faudrait aller de l'autre côté si on veut voir la suite. Bon allez, on va aller dormir. Quoique je peux aller de l'autre côté, ce qui va être chiant. Bon, on va être raisonnable. On va aller leur faire la sieste, de toute façon on n'est pas loin. Et de la chance, ça va peut-être se déverrouiller sur la nuit.
Ils suivent les renards? Ils ont du mal à suivre. Oh non. Oh non. Bon bah on n'a pas le choix d'aller par là hein. Finalement. On n'a pas le choix. C'est bien, ça va nous débloquer la route. Oh la vache. Il nous a attrapé. Il va me tuer. Bon bah super. Bon après j'ai perdu beaucoup de temps de l'autre côté malheureusement. Pas évident ce jeu. Ça a pas l'air hein, on se dit ah c'est un petit jeu tout beau, tout facile. Et bah pas du tout. Et en plus je suis bête parce que j'ai marqué le terrain, ils le disent clairement que le pelletier va fouiller la zone vers la nuit. Ouais. On va passer par en bas. Ce qui est bien c'est que ça nous évitera d'avoir à galérer avec la bouffe. Là je peux descendre et tracer d'un seul coup. On peut passer là maintenant. D'accord. C'est le seul bon côté à la déforestation. Bon, du coup, ce serait bien de débloquer les deux points d'interrogation. Comme ça, ça éviterait de reperdre du temps. Comme je l'ai fait juste avant. Allez petit, hein. On suit. Ça du coup on va peut-être pas le marquer tout de suite. On va le marquer une fois qu'on aura fouillé de l'autre côté. Par là. Voilà. Oh la vache, il était là. C'est pas le... Non, c'est un autre encore. Par là, il y avait simplement de la bouffe. Qu'un sac classique. Ramasse. Allez, va chercher à manger. Oh la vache. Oh, ils sont en menu full vie. Trop bien. Bon, on ne peut pas explorer de ce côté-là. Donc il y a le point d'interrogation jaune. Donc on va aller de l'autre côté. Les renards s'aiment bien les poules pourtant. Là, on va voir que c'est un cul-de-sac. C'est quoi ça? Ah oui, c'est une pomme. On va la garder en bouche. Et là, c'est un cul-de-sac, non? Je peux descendre quelque part? Ici? Ah oui, je pouvais descendre là. D'accord. Et bien, une bonne chose de faite. Impeccable. On va pouvoir continuer. Comme quoi, j'ai bien fait de décéder. Sinon je serais jamais revenu tout de suite. La pomme. La pomme d'Adam. Donc là je peux aller tout droit. Et il faut pas faire aux poules. Oh la vache. Si ça c'est pas Glock. Non c'est bon, on a assez mangé. Ah, il va y aller. Le relou. Le relou. On trouve à manger, mais on en a pas besoin en fait. Oh la vache.
Ah ouais, il broie des poussins. Oh, quelle horreur. Pourquoi il y a de la musique qui s'emballe là? Oh là. Oh. S'il lui est arrivé à lui. Qu'est-ce qu'il mange? Un poulet? Je ne sais pas du tout où je vais. Ah, c'est ici qu'on est, que la fille devait vendre le... Pourquoi il y a une trace de pas? Sur la carte, là, il y a un gros... Une grosse empreinte de pas, de pattes. Ah ok, c'est pour utiliser sa compétence. Y'a pas besoin. Ok. Est-ce que je peux repartir sur la gauche? Parce que là, il va falloir que je retourne vers le terrier à un moment ou un autre. Ah, c'est des peaux de... Des peaux de renard, ça. Est-ce que je peux débloquer le passage? Ce serait bien. Ouais. Ouais, 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 ouais. Yes. On a débloqué un petit raccourci. Ça, c'est cool. Par contre, je voulais pas monter là-dessus, mais bon. Ah ouais, ils peuvent pas monter, eux. Hein. Ça, c'est pas cool. Et en plus, il va faire jour, donc ça va être très relou. On va essayer de partir sur la gauche. Bon, c'est un dépeceur de kleps, en fait, lui. Alors, je peux grimper là. Et passer là. Ok. Ça n'a servi strictement à rien ce que je viens de faire. Non! Ah non! Je passe le tour. Chope-le, chope-le. Bien. Par contre, il fait jour là et... C'est un mauvais délire là. Voilà, bien. Chassé, cool. Ouais. C'est par là qu'il faut retourner. Ok, on va devoir se retaper toute la route à travers l'usine et ça, ça va pas être facile là. S'il fait jour et qu'il y a plein de monde, ça risque d'être embêtant. Ouais. Et alors ça tombe, il y a l'autre fou furieux avec l'âge qui va arriver en plein dans notre tronche. On parle pas de la galère, on peut pas passer de l'autre côté, de toute façon c'est complètement condamné. À moins qu'il y a le petit raccourci qui permette de remonter. Ouais. Aïe 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 aïe. En vrai, on peut passer par là. Ah non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Du tout.
Et je marque là-bas pour qu'ils puissent patrouiller là-bas et je puisse passer de ce côté-là. Allez, les petits renards là. Ah, je vois comme mille qui va nous tomber dessus. Bon, on va marquer ça quand même. Non, ça va, il est pas là. Par contre, il y a lui, il y a le furieux de la gâchette. Il s'embête un peu aussi, lui. Allez, tourne la tête. Les câbles. Ouah. Ok, tout droit. Bon, on a fait tous les points d'interrogation. Normalement, on devrait peut-être avoir une odeur au prochain jour. Oh, y a l'autre furieux en dessous. Bon, le temps est pas terrible, c'est un temps de chien. Ils sont où les petits là? Là. Retour dans le rotor. Je sais pas ce que c'est qui s'est craché là, mais ça a bien morflé. Ah, c'est qui devient futé notre petit renard? Il manque deux compétences de l'autre côté et une à celui-là. Pourquoi on a un rond en moins? Ah, c'est parce qu'il y en a un qui est décédé peut-être. Oh mince. Mince. Mais il y en a un en plus hein. On va voir ça. Chaque fois il bouge et il meurt. Ah voilà, une odeur violette avec un passage qui se débloque. On va aller voir ça. La petite fille a peut-être vendu notre renard, la traîtresse, et qui nous a, qui a été très gentille, qui nous a nourri. Bon, bébé, j'ai avec un d'essence. Ah, elle est malade. Où il faut aller? Par là. Descendre. Par là. On est où? On arrive là-haut. Ok. À des contrées non explorées. Bah, la carte est plutôt grande, hein. Tout compte fait. Ah, s'il y a à manger en même temps, ça m'arrangerait. Voilà, tête des baies.
la vache. Faut leur donner à manger parce que... Si on fait l'histoire, on trouve pas beaucoup à manger. Voilà, c'est le sac. On connaît. Et voilà, ils sont full bouffe. Impeccable. Allez hop. Elle s'est cachée là, la petite. Ah non, c'est la boîte de pilules. Ah, nouveau terrier. Ouais, mais ils trouvent à manger là-dedans, mais on n'a pas besoin à manger. Super le terrain de jeu, hein. Une décharge, génial. Ça donne envie, dis donc. Donc il y a des verrous qu'ils ont sautés. Vers l'usine notamment. Bon, je pense que la carte ne sera pas plus agrandie énormément. On est arrivé au bout de la carte, j'espère. Elle a l'air géante, finalement. Donc là, on va aller tout droit. On va esquiver le pacificateur. Enfin, le récolteur ou le... Je sais pas comment il l'appelle. Et il a encore le petit renardo sur le dos. Ouais, mec. Il est gentil aussi. Bon. On ne peut pas passer par la droite. À moins qu'il faut sauter. Oh, il y a la fille. Il l'a abandonnée. On va lui faire un câlin. Oh, ça a pas l'air d'être la joie. Hein. Tu peux nous laisser passer. Oh la vache. Ah ouais, elle est plus que mourante là. On a assez à manger. Là, on découvre juste la carte. On va tracer. Voir sur quoi on va tomber. Là, on peut redescendre. Ok. Vers un mec méchant. Ça, je peux pas. J'ai pas débloqué sûrement celui qui est mort qui devait apprendre à faire ça. Là, c'est des œufs. Très bien. Là, c'est le retour vers la base. Donc, on va redescendre. On redescend ici. Bon, la décharge est vraiment pas terrible, hein. Ça donne pas envie d'y habiter. Des bagnoles, des... Oh là là. C'est quoi ça? J'ai l'impression que les petits renards ont grandi, non? C'est peut-être qu'une impression. Il me semble plus grand qu'avant. On est revenu au... Ah oui, ils ont besoin de dormir.
Bon, on a assez exploré le rond. Et je pense... Oh, alors voilà, lui! Il gave, hein! Ah, ils savent faire le grand saut maintenant. C'est parce qu'ils ont grandi, ils me semblent plus grands. Bon, bah ce sera bien pour cet épisode. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre like et à vous abonner, c'est gratuit. Et on se retrouve pour l'épisode 5. Allez, tchuss!